Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous aurez cette vidéo. J'ai salué tout le monde, sans exception. Ça fait une belle lurette que j'avais pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en ligne une vidéo sur la géomancie. Je ne peux pas commencer cette vidéo sans saluer tous ceux ou celles qui m'ont apporté leur soutien moraux, physique et matériel. Je remercie tout le monde sans exception. Vraiment, merci beaucoup pour vos soutiens et vos motivations. Ça me va droit au cœur. C'est ce qui me donne le courage de continuer et de parfaire ce que je suis en train de faire. Donc aujourd'hui, on va faire une petite démonstration sur la géomancie. Bon, pour le temps, on ne va pas rentrer dans l'historique de la géomancie. Mais aujourd'hui, on va vous montrer quelques trucs cachés de la géomancie. Dans la géomancie, on a une seule figure de quatre points qui est telle qu'Ibrahim 1, 2, 3, 4. On a cinq figures de cinq points qui sont Sédhiou, Malidhiou, Laoussana, Garia. Je m'excuse, c'est quatre figures de cinq points. Maintenant, on a six figures de six points qui sont Inzan, Alaoutala, Massa Badrali, Nuhu et Morzoumana. Donc ça c'est 4 points, 5 points, ici c'est 6 points. Donc on a aussi 4 figures des 7 points qui sont Adama, Djitki Al-Bayada, Lumarablé et enfin Al-Mankous. Chacune de ces figures ont 7 points. Et on a d'autres degrés où une seule figure de 8 points qui est Sigimusa. Donc, en tout, on a 16 figures. Donc, ici, une seule figure de 4 points. Donc, on multiplie 4 par 1. On obtient 1. Ici, 4 figures de 5 points, 5 fois 4, ce qui nous donne 20. 5 fois 4, 20. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 figures de 6 points. Donc 6 fois 6, je crois bien, ça doit être 36. Voilà. Et maintenant, on a 4 figures de 7 points. Donc 7 fois 4, ça doit être 28. Et une seule figure de 8 points, 8 fois 1, est égal à 8. Maintenant, on va essayer d'additionner ces nombres-là. Donc 1 plus, désolé, 6, au lieu de 1, c'est 4. Voilà, une fois 4, 4. Donc, 4 plus 20 plus 36. Plus 28 plus 8, ça doit donner 96. Donc, dans la géomancie, tous les points réunis cumulés donnent 96. Maintenant, on va prendre les nombres. Dans la géomancie, on a figure de 4 points, de 5 points, de 6 points, de 7 points, de 8 points. Donc on va ajouter ces nombres-là. 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Donc si je ne me trompe pas, ça doit faire 30. Maintenant, on va additionner les deux résultats, c'est-à-dire 96 plus 30. Ça va nous donner 100. 26. Maintenant, on va essayer de multiplier ces nombres en faisant l'addition. 1, on va multiplier ça, ça nous donne 11. On va multiplier le 2, 11 plus 22. Et on va multiplier le 6 plus 66.
Donc, si on prend ça, ça donne le nom de Dieu Allahu. Ça c'est Habib, ça c'est Hua. On passe. Donc, le tout, 11 plus 22, ça nous donne 33, plus 66, ça nous donne 99. Le nombre du nom de Dieu est 99. Dans le Coran tout entier, il y a une seule sourate qui parle que de Dieu, l'unicité d'Allah, tout. Cette sourate est appelée sourate l'Ikhlas, qui est Kul huwallahu ahadun jusqu'à la fin. Donc dans cette sourate, on a Hua. Allahu Ahadun. Hua A comme PM 11, Allahu 66, Ahad 13. Donc on va faire une petite addition ici. Normalement, ça nous donne 90. 90 est le PM d'un origine qui est Malik. Malik veut dire les souverains, les plus grands rois. Donc maintenant, on va calculer les nombres de lettres ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plus 90, ça nous donne 99. Désolé, c'est plus 9. C'est égal à 99. Donc, vous voyez. Donc, la zone ici, c'est pour attester l'unicité d'Allah. On va essayer d'avancer un peu avec ce même nombre qui est 99. 99 est un nombre très très mystique et très très favori. Donc si on additionne les deux 9, 9 plus 9, d'abord on va faire l'addition, est égal à 18. Dans la main droite de chaque être humain, on a 18 qui est Hayu, les vivants, les noms de Dieu Hayu. Donc c'est le signe de la vie. Dieu nous a donné la vie. Sans la vie, on ne serait pas sur la terre. Donc, maintenant, on va essayer d'avancer encore un peu. Cette fois-ci, on va faire la multiplication. 9 plus 9, 9 multiplié par 9, c'est égal à 81. 81 est écrit dans la main gauche. Donc, l'addition de 81 à 18 nous donne encore 89. C'est pourquoi il y a une relation entre toutes les sciences. De la géomancie à la numérologie, de la numérologie à la chiromancie. Maintenant, on va ajouter 8 plus 1 encore, ce qui nous donne 9. Voilà, 9 est le dernier nombre, 1 est le premier nombre. Donc, on va essayer de voir de 1 à 9. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 9. Dieu a dit Wal awwalu wal akhir. Il est alpha et il est oméga. Il est le début et il est la fin. Donc, de 1 à 9, on a 45. 45 est le PM de Adam, alayhi salam, qui est le père de l'humanité. 1 plus 4 égale 5 plus 4, et 40 égale à 45. Donc, si on prend les carrés, 3 fois 3, que les autres appellent Moussalas, d'autres disent Ghazali. Voilà. Avec la rentrée 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà donc. Je vais revenir dans la deuxième vidéo pour continuer. Merci. À très bientôt.